Autre gestion de l'hôpital, et vous allez voir que là, c'est carrément très, très différent. Pierre, c'est la méthode américaine. Ouais, pas de surprise, hein, dans un système aussi libéral que les États-Unis, malgré les 70 000 morts du Covid dans le pays, crise économique oblige, eh bien, les hôpitaux licencient le personnel à bout de bras, Sonia Dridi. Oui, en fait, tout cela s'explique par le mode de fonctionnement du système aux États-Unis. Ce qui finance les hôpitaux et cliniques, c'est l'acte médical du quotidien, les examens, les opérations non urgentes, tous les actes liés aux accidents également, qui sont facturés très cher, car il n'y a pas ici de payeur unique comme les sécurités sociales en Europe. Mais le confinement a réduit le volume de ces activités de manière drastique et du coup, les revenus, alors que les milliers de patients Covid hospitalisés sur la durée ne sont tout simplement pas rentables, alors c'est une question de survie pour les établissements hospitaliers. Près d'1,5 million de personnes ont été licenciées pour tenir le coup, dont 135 000 dans le public. Certains employés ont vu leur nombre d'heures de travail être réduit, d'autres ont été forcés à prendre des congés sans solde. Beaucoup doivent aussi désormais nettoyer les chambres, changer les draps et sortir les poubelles en raison des coupes dans le personnel. Dans le système américain, beaucoup d'infirmiers ne sont pas salariés, ce qui permet à l'hôpital de réduire rapidement ses dépenses. Merci Sonia Dridi, l'une des correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.